L'affaire du foulard islamique à l'école. On sait depuis hier que les établissements scolaires seront habilités prochainement à autoriser ou à interdire le foulard islamique. Le ministre de l'Éducation prépare une circulaire en ce sens après l'avis du Conseil d'État. Pour l'instant, cet avis n'a pas provoqué de changement dans les écoles concernées, par exemple à Noyon ou à Creil, comme sur ces images. Leïla, Fatima et Samira, toujours voilées, sont venues ce matin. Elles ont refusé tout compromis et elles ont gagné la bibliothèque du collège.